Là, ça y est, on a trouvé nos patins. On va bien rigoler. Qui c'est qui va se manger la glace? On va se prendre des gants aussi parce que on n'a pas envie de se faire couper les doigts. Hein. Pour le patinage artistique sur le Nathan Phillips Square, c'est la place où il y a l'hôtel de ville de Toronto et il y a le signe Toronto. Et voilà, c'est lui qui a pour faire du patin. Tu t'en rappelles plus? Alors, tu t'en sors? T'en fais déjà mieux qu'au début déjà. En tout cas, c'est magnifique. C'est super stylé. Ben voilà, on vient de terminer de travailler et on va à la distillerie District pour voir le marché de Noël.
Alors en fait, Distillery District, c'est un ancien quartier de Toronto qui date du 19e siècle. On y faisait de l'alcool, hein, tout simplement de la bière. Et je crois qu'il y avait du whisky aussi. En fait, toutes les rues qu'il y a dans ce quartier, c'est classé au patrimoine du Canada. Voilà. Et petite anecdote aussi, c'est ici qu'ils ont tourné certaines scènes de la série Peaky Blinders. Peaky Blinders. Voilà. Un téléphone où il y a le truc qui se tourne là comme ça. Ou même ceux avec le gros, encore plus ancien, avec le gros monotone là. De faire carnage là. Bon, bah là c'est le 24 décembre et Emilie elle est au travail et moi bah du coup je vais préparer quelque chose parce qu'on va fêter ça tous les deux et on va essayer de faire ça bien, même si nos familles sont loin, tout ça, ça va être le premier Noël à Toronto, au Canada, donc voilà. Bon, on a acheté quelques petites provisions pour ce soir, pour faire à manger. Enfin, pour faire un petit truc sympa pour manger ce soir. Et là, je nous ai trouvé des petits pulls de Noël. On vous montrera ça. Et juste des petits trucs pour finaliser la déco du sapin quand même. Et voilà, une petite étoile à Dollarama. Dollarama, c'est l'endroit où il faut aller quand t'es au Canada. Surtout pour les petits trucs comme ça, que tu sais que ça va finir au fond d'un carton. Thank you.
coup, j'ai pris des ribs. Apparemment, c'est une bonne marque, ça. On m'a dit, c'est bien de prendre ça. J'ai fait OK. Parce que pas le temps d'aller chez le boucher, tout ça. C'est busy de partout. C'est... Tous les boutiques sont pleines, tout est plein. Et du coup, voilà. Je vais mettre ça dans le four. Et je vais réparer d'autres petites choses, là. Ça va être sympa. Pendant qu'Emile est allé au travail. Là, j'ai acheté tout pour décorer la table. Voilà. Et là, c'est les petits pulls de Noël. On montrera ça après. Voilà tout ce qui est pour la déco. J'ai pris des petits trucs là pour faire des petits fours, avec du saumon, du poulet, tout ça. Allez, c'est parti. On prépare ça et on verra ce que c'est. Oh, le pétard mouillé. Je pensais avoir un chemin de table pour décorer et tout, et en fait, il n'y a pas ça. C'est n'importe quoi. Pouah. Je pensais avoir ça, là, le chemin qui va avec, mais en fait, j'ai tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, j'ai pas regardé et je me suis fait avoir. Bravo. Bravo. Bon, on va faire les nanes. On va les découper. Après, on va les mettre au four. Il y a pas un truc USB et tout pour charger ton téléphone et tout. Voici la merveilleuse salle de bain. J'ai un truc qui va vous faire rigoler. Est-ce que tu as déjà fait tes besoins en ayant la vue sur le lac? Ça, c'est la vue. C'est comme ça qu'on apprécie les choses. Coupé. Bon, on est au Delta Marriott et on a eu un cadeau parce que c'est le jour de Noël. Alors, je l'ouvre. Happy holiday from Delta to America. J'espère que c'est des chocolats.
le repas du réveillon 2022. On est à The Drake Hotel. T'aimes pas? Ah. Bon, on a les mêmes goûts, du coup on a pris la même chose. C'est ribs de bœuf avec... cuit pendant 48 heures. Jus de Bruxelles, purée, asperges. Et le bœuf, il a été cuit pendant 48 heures. Sorry. Tu vois? Bon ou ouais? Je trouve un peu sec. Ah. Bon, bah, je vais goûter. Happy New Year, guys! Wish you the best! Merci.